Je m'appelle juste pour me dire que la rentrée c'est dans 3 jours. Bon allez, je vais aller à la soirée pyjama. Nous ne voulons plus de te voir, Lily Rose. Tu es la pire des copines à jamais. À la rentrée, ils vont voir. Ah bah tiens, la revoilà déjà. Salut. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage. Bon bah je vais appeler Lily Rose parce que là je sais pas ce qu'elle est en train de faire. Lily Rose, Lily Rose, elle est tranquille en train de dormir. Ah oh, il est... Ah oh, je viens de me réveiller. Oh, il est 11h. Allô? Esteban? Ah bah enfin tu réponds. Ça fait la troisième fois que je t'appelle ce matin, il est déjà 11h10. T'es sérieuse? C'était juste pour te dire que bah la rentrée c'est dans 3 jours, donc tu devrais préparer tes livres et tes fournitures. C'est juste pour... Quoi? Tu m'appelles juste pour me dire que la rentrée c'est dans 3 jours? Pff, n'importe quoi. Bon, moi je vais aller voir des copines pour me changer les idées là, parce que cette rentrée dans 3 jours, j'en ai ras le bol. Ah mince, non mais... Elle m'a raccroché au nez comme ça. Bon, là je vais aller dormir chez une amie ce soir là, parce que j'ai entendu parler d'une pyjama party. Bon, j'espère qu'il y aura du monde parce que sinon ce sera un peu ennuyant. Et qu'il y aura plein de bonbons, plein de choses à manger, qu'on va bien dormir, qu'on va faire... Non, qu'on va pas bien dormir, qu'on va faire une nuit blanche. Allez, c'est parti. Eh oh, t'as mal raccroché là. J'entends, j'entends. Elle sait pas que je l'entends. Qu'est-ce que... Oh non. C'est pas possible. Une soirée pyjama ce soir? Mais c'est totalement interdit à 3 jours de la rentrée. Une nuit blanche? Ça va pas se passer comme ça, je pense. Oups, j'ai oublié mon peignoir. Allez, maintenant on peut y aller. Alors comme ça, elle arrêtera d'être la préférée de toutes ses amies. Désormais, c'est moi qui vais être la préférée. Bon allez, je vais aller à la soirée pyjama. Alors, oh non, les clés, ils sont où? Ah oui, j'avais oublié. Esteban, à chaque année, il dit, ouais, 3 jours avant la rentrée, il faut se coucher tôt. Yes, alors qu'est-ce que t'en penses le chat? Qu'est-ce que t'en penses le chat? Le chat veut s'enfuir. Mais bon, c'est pas grave, j'ai réussi à prendre les clés de la maison. Lily Rose pourra pas sortir. Bah de toute façon, je savais même pas qu'elle avait des copines. Elle est tellement insupportable avec tout le monde. Non, la porte n'est pas ouverte. Oh, j'ai une idée, je m'en rappelle. Une fois, je suis passée par la fenêtre pour sortir. Et en plus, c'est plus facile, c'est moins haut et c'est super simple. Oh là là, Lily Rose trouve pas les clés. Je me demande comment elle va. Ah, il fait beau en plus. Non, non, Lily Rose... Lily Rose, pas par la fenêtre. Ah, ah non mince, j'ai oublié la valise. Ah, la voilà. Bon, le peignoir, je peux oublier. C'est trop encombrant. Allez, on y retourne. Allez, on y va. Bah, tiens, on a reçu du courrier. Bah, le facteur, il sait pas mettre ça tout simplement dans la boîte aux lettres. Oui, il est un peu bête, hein. Puis en plus, elle est ouverte, elle est juste là. Alors, on va voir ce qui est écrit. Nous ne voulons plus de te voir, Lily Rose. Tu es la pire des copines à jamais. Signé tes anciennes copines. Bise. Quoi? Ça veut dire que je peux pas aller à la soirée pyjama et que j'ai fait tout ça pour rien? C'est nul. Ah bah tiens, la revoilà déjà. Il a dû se passer un truc. Je vais aller voir ce qui se passe. À tous les coups, ça doit être encore un truc assez grave, je suppose. Vite! Bon, allez, ça suffit. J'ai eu assez de problèmes cette année avec mes copines. Je veux plus retourner dans cette école. Et aussi Esteban, là, qui fait tout pour que je ne sorte pas. Alors, Lily Rose, on me prévient pas avant de partir. Du coup, on sort par la fenêtre. Tu croyais que j'allais rien voir? J'ai bien fait de prendre les clés, d'ailleurs. C'était super drôle de devoir faire le petit lapin. Petit lapin, petit lapin. À la fenêtre. Mais bon, maintenant tu restes ici et c'est dodo à 20h. Et pas à 23h ou je sais pas quoi, là, comme d'habitude. Et peu importe, d'ailleurs, je vais prendre ton téléphone. Non, laisse-moi mon téléphone. C'est le seul truc avec quoi je peux jouer. En plus, j'ai reçu un mot de mes copines, ça m'a démoralisé. Oh, je veux même pas savoir pour tes copines. De toute façon, il se passe toujours des trucs, des mots, des... La maîtresse est méchante. Je suis plus ton amie, nanana. Bon, j'ai l'habitude maintenant. Bon, là, ça suffit. Ils sont tous contre moi. Je veux changer d'école. Et de toute façon, je ne ferai pas la rentrée. La rentrée, tu vas la faire, t'inquiète pas du tout. D'ailleurs, c'est dans 3 jours, hein, je te rappelle, au cas où t'aurais oublié. Bon, il faudrait aller dormir à 20h, donc tu peux jouer, t'as plein de jouets. D'ailleurs, allez, hop, hop, hop. Ouais, c'est ça.
on me comprend pas ici. Oh mon hamster, au moins toi tu me comprends, pas comme certains, hein? Oh, trop choupinou. Oh, pff. Moi aussi j'ai dû passer par la fenêtre, j'avais oublié les clés. Je sais pas, ah bah tiens, ça serait pas le mot là? Ah, yes, je vais pouvoir savoir qui a écrit ce truc. J'ai mené ma petite enquête parce que c'est trop bizarre. Normalement, les gens aiment bien Lily Rose, elle est tellement gentille en vrai. Alors, une écriture comme ça, ça me dit quelque chose. C'est une petite fille qui avait essayé d'harceler Lily Rose. À chaque fois, elle venait en cachette chez nous pour déposer des mots et des trucs vraiment méchants. Et même à l'école, elle faisait des méchancetés. Ah oui, je sais qui c'est. En plus, Lily Rose la connaît. Il faut que je prévienne Lily Rose. Allez, il faut que je rentre. Il faut que je rentre ici. Lily Rose, je sais qui a écrit la lettre. Oh mais qu'est-ce qu'il y a encore, Esteban? Tu veux encore me confisquer quoi, mon hamster? Oh là là. J'ai fait une petite enquête et je pense que tu vas être très déçu. En fait, c'est pas tes copines qui t'en veulent. C'est vraiment quelqu'un en particulier qui veut que toutes tes copines soient contre toi parce que t'as raté la soirée pyjama. Comment ça? C'est quelqu'un en particulier? Moi aussi, je pense savoir qui c'est. Tu peux aller à la soirée pyjama finalement. Vas-y, parce que sinon à la rentrée t'auras aucune copine, elles vont tous être contre toi. Par contre, je peux pas t'accompagner, je sais pas du tout où c'est. Oh, c'est vrai, trop cool. Allez, rentre dans ta petite cage, j'ai quelque chose à faire. Oh, trop cool, je suis trop contente. Bon allez, cette fois, c'est bon, je vais pouvoir passer par la porte. Oh non, c'est rebelote. Bon allez, je vais encore une fois devoir passer par la fenêtre. Sacré Esteban, hein? Allez, go! On y va! Allez, c'est parti! Enfin! Bon, allez, c'est parti pour la pyjama party! En plus, il fait déjà nuit! C'est bizarre! La journée, elle a passé super vite! Je pense que c'est là! Mais c'est bizarre, il n'y a pas de ballon! J'espère qu'ils m'ont pas fait une blague comme d'habitude! Ce serait vraiment pas sympa de leur part! Bon, y a personne. C'est mes copines qui ont essayé de m'avoir. À la rentrée, ils vont voir ce qui va se passer. Ça m'énerve. Ah, allô? Oui? Finalement, la pyjama partie est annulée. Ah oui, j'ai bien vu. C'est ta mère qui voulait pas? Oh, c'est pas grave, je te pardonne. Bon, allez, bisous, à la rentrée. À dans 3 jours. Ah bah tout est bien qui finit bien finalement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, attention, cliquez sur une vidéo qui apparaît. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Mmh.